Groupe Avigro est une société de négoce sur le marché de Rungis, en volaille. Les activités sont liées à de la volaille, de la viande aujourd'hui, et une évolution qui nous a permis aujourd'hui de passer le cap. On fait de la livraison, chose qu'on ne faisait pas des années en arrière. Voilà, donc aujourd'hui on est 130 personnes approximativement, 106 millions d'euros de chiffre d'affaires et 35 000 tonnes. L'évolution, elle est simple, on était avec un papier et un crayon. Du papier au crayon, on est passé aujourd'hui sur l'informatique, effectivement, lecture optique de code-barre. C'est que du bonheur, en fait, du bonheur parce que ça va dans les bonnes cases. On a ce que j'appelle les bonnes cases, on a les bons fournisseurs, les bons articles, les bons produits, les poids, tout est rangé, on va directement en flux sur l'ordinateur. Ça, c'est le basique du basique, mais quand on vient ça fait 38 ans que je fais ce métier-là, j'ai vu une grosse évolution. Aujourd'hui, ça serait compliqué de faire marche arrière. Clairement. Après, le positionnement vis-à-vis de la concurrence du marché, effectivement, je pense qu'on a un cran d'avance. Mais enfin, quand on fait 35 000 tonnes et qu'on scanne tous les jours des millions de cartons, effectivement, il y a un vrai besoin. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'aller plus vite, plus loin, avec une traçabilité, avec un retour très intéressant. Je suis Nabil Belhanafi, je travaille depuis 2011 au sein du groupe BGL Avigro en tant que responsable du système information. Mon métier consiste à déployer et à maintenir le parc informatique en place. En 2014, nous avions un parc de Zebra MC3090 qui devenait obsolète. On a lancé un appel d'offres pour renouveler ce parc de PDA. Nous avons retenu l'entreprise SoluOne car elle nous a accompagnés du début à la fin de ce projet. De par son expertise, de par le prêt de matériel aussi qui nous a permis de tester avant de nous engager, et également la reprise et la valorisation de notre ancien parc. En 2017, nous avons fait évoluer et mis à jour notre ERP. Nous avons migré de NAV 2009 vers NAV 2017, qui a également changé nos modes de connexion. Avant, on était sur de la connexion TSE et on a dû migrer sur l'Android. SoluOne nous a accompagné une fois de plus sur ce projet. Ils nous ont mis à disposition plusieurs types de matériel et notre choix s'est porté sur le TC70 qui est 100% tactile, qui a un écran plus lisible et puis il a une tête de lecture aussi plus agressive qui nous permet en tout cas dans nos conditions qui sont les nôtres de lire plus facilement nos code-barres. Toujours dans le cadre de cette migration, nous avons réalisé un audit Wi-Fi ce qui nous a amené en fait à modifier tout notre parc d'antennes, que ce soit pour le bureau ou pour le carreau, la zone de vente. Cette modification d'antenne nous a permis d'optimiser la communication entre le TC70 et notre infrastructure réseau, ce qui a été rendu possible grâce aux équipes câblage de SoluOne. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis responsable d'exposition adjoint chez Avigro depuis 3 ans. Je m'occupe de tout ce qui est réception de marchandises, tout ce qui rentre dans l'entreprise et tout ce qui en ressort. J'utilise du coup le scan pour réceptionner la marchandise, qui me précise exactement les poids, le nombre de colis que j'ai sur mes palettes et qui en termes de précision est mieux pour l'arrivage. Il est très facile à utiliser, beaucoup mieux que les anciens qu'on avait. Il est léger, on dirait un smartphone. Il ressemble à un smartphone mais il est beaucoup plus résistant. Le fait qu'on puisse être amené à le faire tomber sur notre lieu de travail, ce qui peut arriver, on n'a jamais eu de problème avec et surtout qu'on travaille dans le froid avec une température très basse et les batteries tiennent super bien. Alors oui, on ne peut pas rester, c'est vrai qu'une entreprise qui stagne, c'est une entreprise qui meurt. Donc on est obligé d'avancer. Donc il y a des projets, je ne vais pas les divulguer, mais on est en train de faire de la croissance. Alors en organique, c'est tous les jours. Et en externe, on va certainement bouger parce qu'il faut qu'on grossisse et qu'on aille chercher d'autres participations en termes de clientèle. Voilà, donc Paris est vaste, 12 millions de personnes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.